C'est beau, hein? Incroyable. Manu, notre metteur en scène. Voilà. C'est pour le documentaire. L'arrivée d'une star. En fait, Sandrine, il y a une mauvaise nouvelle. Pour les groupes. Moi aussi, c'est une écrire qui nous est prête. Mais le problème, c'est qu'il faut avancer 500 euros. Il n'y a pas le choix, c'est une question de vie. Une question de vie, non, je ne disais pas les 500 balles, tu m'as jamais prévenu 500 euros. Mais elle m'en fout, moi je veux ma volontaire. Moi je n'ai pas 500 euros. Ah ben tu me sors, il n'y a pas le choix. Non, non. Bon, en fait, c'est pas vrai, c'est pour le documentaire, je te donne une envoie. Les chiffres. Mettez-vous à l'aise, c'est important. Non, je suis partie faire ma tour. Il faut se préparer à jouer. Même si ça n'arrive pas, bah, qu'est-ce qu'on a à faire de mieux que d'être là? Voilà, on a passé une journée à installer des prompteurs, installer du son, installer des lumières. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse un spectacle. Le théâtre permet ça. Le théâtre permet de proposer une couleur sur la scène 1 et de proposer une deuxième couleur sur la scène 2. Thank you.
T'es capable de te rouler dans la boue. T'es capable de marcher 3 km sur les genoux. T'es capable, après je sais plus la suite. Prompteur. Que tu l'aimes, Marie-Lou. T'es capable de monter sur la table. T'es capable pour aller dépiler ton sac. T'es capable l'embrasser sur la bouche. T'es cap, pas cap de choper une mouche. Toi dis-moi si vraiment t'es cap ou t'es pas cap. Ça c'est ça que vous deviez apprendre après. Caroline Courtois, notre truc qui filme là, ouais. Et tu vois. J'ai l'impression qu'en salle ça va manquer de pêche. Mais après, ce que veux. Si le mec se dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Lola, oui. Faut que tu gardes l'authenticité de la chanson. Mmh. Genre tu vois, c'était trop beau pour être vrai. Tu gardes la note originale. Okay. Parce que vu que tu rajoutes tes petites notes personnelles à toi-même, vu que là on règle et que c'est... on n'entend pas très bien ce que tu dis, mmh. Et justement, on essaye d'avoir un air de faux. Donc vraiment, là tu vois, quand tout va bien, tu dis tout va bien, tu vois pas. Tout va bien, okay. Tout va bien. Ouais, je pense que... Tu gardes, je bouge pas, ouais ça marche. Le plus simple possible. Ouais, vraiment qu'on puisse se focus sur le texte, sur ce qui est dit. Tu gardes l'originalité de la chanson. Ça marche. Ouais, c'est ça, limite, cherche pas à la chanter, vraiment à le dire à Maëlys. À fond. Ouais. Moi, ce problème de son m'agace. Ben ouais, ouais, Alors tu sais, bon, on peut peut-être laisser Cédric gérer ça, Valentin. Cédric, il est en train d'essayer de régler le problème. Nous, il faut qu'on avance sur les répètes. Qu'est-ce que tu baffes, toi ? À moi à dire. Qui est le problème de son, ça m'agace. Je crois que je l'ai au moins 3 fois. Non, mais je comprends pas. Hier, il y a eu le montage technique, je suis venu et tout. J'ai un petit peu installé les loges et tout. Tout marchait super bien. Il devait y avoir 1 micro sans fil. 2 micros sans fil, 1 micro. Hier j'arrive. Ah mais il y a un micro sans fil qui est cassé. Donc du coup il n'y en a plus qu'un. Et donc du coup on a dû prendre 2 micros sans fil. Attends, je devine, ça t'agace? Ça m'agace. Et là tu vois dans le documentaire faire un montage, ça m'agace. Je connais pas. C'est pas à chaque fois je veux faire des vidéos mais j'ai pas de temps en fait. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, on se tiendra par la main. Car il faut des amis. Car il faut des amis pour être heureux dans la vie. Vous les copains, je vous oublierai jamais. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement, on l'adopte, on lui dit bien. Si vous arrivez à tourner la tête vers le public pour balancer les paroles du cœur, ça c'est super. I gave one song for free, all about you, easy. Et là, roi commence. Encore, à la nuit. Bouge ton cul. Vénias.
Ton ressenti. Et une fois que Clara est en place dans sa bulle avec sa chauffeuse, chacun et chacune. En soi, tu vois, on s'en fout quoi. Bah, pas trop. Non, tu vois l'intérieur carrément. Mais il devait partir en répa à Noël donc. Ouais, enfin bon. Si le Père Noël il peut passer avec le confinement, ça se trouve, il restera au pôle Nord. Là, je pense que. Quelle beauté! Ce charisme! Je comprends pas pourquoi tu sais qui ils t'ont pas sous charme. Mais c'est qui? Attention, micro, il est éteint. C'est pas comme s'il y a déjà eu une fois où t'es rentré sur scène avec le micro éteint. Règlement de compte. Non, mais franchement, bon, regarde pas quand même vous cherchez. Va-t'en, je vais pas voir ta gueule. Choupette. Hugo l'a critiqué. Et moi, tu vomis, quoi. Lorsque vos stars sont de l'autre côté de la scène, elles se lâchent. Je vais vous présenter Angélique, notre plume d'or. Vous brillez de mille feux. On a écrit le texte, et malheureusement le texte ne peut pas trop voir le jour. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais il est sur la scène. Ouais. As-tu pensé à nous faire parvenir Du coup, ouais, tu passes derrière elle, tu regardes sur son téléphone. J'ai cassé mon iPhone. Allez, viens nous raconter. Le confinement, je t'emmerde. Oula, la violence. Et toi? Ok, ouais, j'ai quelque chose à dire. Ok, vas-y. J'ai peut-être passé les un an avec mon mec séparé, ça me brise le cœur. Est-ce que ça m'intéresse? Va. Ramène mon iPhone cassé, s'il te plaît. Aussi caché que ta. Oula. Celle-ci, je m'y attendais. There's a hole in Vimore. Peux-tu nous faire une petite dédicace, mais en anglais? Hi guys, thanks for watching and don't forget to subscribe to our Instagram account and our YouTube channel.
Love you so much. And my best friend is Kylie Jenner. Of course. Ouais, je crois. T'as tous les boutons. Ça tue les yeux. Oh, regarde, ça fait de la lumière. C'est stylé. Ouais, moi j'ai pris mon pique-nique au cas où. Vous habillez tout ça ? Ouais, là de toute façon il faut tout reprendre quoi. Ça m'étonnerait qu'on joue cet après-midi. Ouais, je pense. Ce soir, apparemment. Après, peut-être qui, hein. Je sais pas. Mais. Mais parce que ça, si le spectacle, normalement, il est censé finir avant minuit en fait. Non ? C'est pas ça le problème, mais si on juste après ou ce soir, on n'est pas prêt. Ah, on a répété que 3 chansons sur 10. C'est. Voilà. Faut tout donner pour être prêt à 18h. Ce sera à 18h ? Si vous jouez, oui. D'accord. Devant le CAJ. Non. Tous ceux qui sont inscrits, on va appeler tout le monde. Et ceux qui veulent venir. T'as vu ça avec Sandrine ? On attend monsieur Daverne qui doit nous donner ce feu vert ce matin. D'accord. On en saura plus quand on aura vu monsieur Daverne, mais si vous jouez, ce sera à 18h. J'ai bien dit si vous jouez, j'ai pas dit vous jouez. C'est un matin de désespoir que les comédiens se retrouvent dans la voiture d'Angélique Guillot, notre plume d'or. Voilà. La décision est tombée hier et malheureusement, on ne peut pas jouer demain parce que le gouvernement l'a décidé ainsi. Ce virus nous fait bien chier. Et voilà, on est tous déçus parce qu'on s'était investi à fond. Moi, tout à l'heure. C'est même plus de la déception, c'est du dégoût un peu parce que ce confinement, je donne mon avis personnel, ne sert strictement à rien. Moi, Valentin Hainaut, acteur culturel sur le territoire, je mets mon droit de veto parce que la culture est en péril. C'est du n'importe quoi. Tu vois, hier j'en ai chialé. C'est bon quoi. Mais tu sais quoi, si on mange ce midi, mes pâtes au poulet vont me réconcilier. Moi aussi j'ai des pâtes au poulet. Une pasta box. Oui. Ah, oui. Un petit mot à dire. Pas vraiment. Quand on est filmé avec cette demoiselle. Ouais, c'est ça. Attendez, regardez. C'est moi le reporter. Bon, ça sera. Je crois qu'on s'est déjà présenté hier, mais on ne voyait pas trop. Donc voici Caroline. Coucou. Caroline, donc elle joue une petite comédienne dans la pièce très rare. Du coup, caméraman, donc si les images sont de mauvaise qualité, plaignez-vous à moi. Voilà. Plaignez-vous à elle, pardon. Parce que c'est bien aussi. Hein. Non, parce que le montage, c'est peut-être moi. Les images, c'est Caro Boobs, quoi. Caro Boobs. Voilà. Non, je te remercie. C'est quoi ce foutoir ? J'ai des preuves. Oh écoute, ça va une belle journée comme ça, hein ? Hello. La merde. Hein ? J'ai pas demandé tout ça pour ça. Hein ? La mise au point, elle est bonne. Touche pas. On change le texte, on part sur autre chose, histoire d'aller au bout. Quoi. Enfin voilà, merci à vous d'avoir tenu bon, de croire en ce qu'on fait, de croire en l'art, de croire en le théâtre, en la musique. Moi ça me fait chaud au cœur. Moi si je fais tout ça, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pour que les gens soient fiers de nous. C'est pas, moi je fais pas ça pour rien, c'est dans mon ordi. Ça restera enfermé et peut-être que l'année prochaine on réouvrira ce coffre et on s'en servira, mais dans tous les cas, j'en suis sûr, un jour on s'en servira. C'est pour ça que Caroline a continué à filmer, parce que j'ai dit c'est peut-être annulé, mais continue à filmer pour toujours avoir une trace de ce mois d'octobre. On déprime pas et on continue d'espérer, les enfants. Alors, voilà, Caroline. En fait, on est très fiers vraiment de ton travail. Lola, Margot et moi, et Agathe aussi, et Unreleased Productions sont très fiers de vouloir te proposer un contrat pour intégrer notre troupe en tant qu'assistante vidéo, artistique et technique. Est-ce que tu accepterais cette proposition ?
bel applaudissement. Wouh! Ah, tu vas plus faire. Ça voilà. Comment vous expliquez ça? Cette triche? Ah, ça, c'est Lola qui m'a demandé. Lola? Moi, j'ai dit mes retours sont. Déjà. Rien des autres. Tu filmes? Ouais, c'est un connard de merde. Faut pas le dire. Il va l'entendre. Tu sais qui? Il est moche, il pue. C'est qui? Tu sais qui? C'est un connard de merde. Ok. Bah, je l'aime pas alors. T'as raison. Personne l'aime. Qui c'est qui fait changement de fringue? Ok, jogging. Qui est sur changement de fringue? On fait ça? Sinon, tu vas chercher une pasta box, mais ça rendra pas aussi bien. Hein. Il est quoi en train de manger, lui? Non, c'est Clara, tout normalement. On l'entend, il mâche en même temps qu'il parle. Est-ce qu'on a dit que c'était l'heure de la pause? Est-ce qu'on a demandé d'ouvrir ta gueule? C'était sûr. Ok, donc on refait cette petite scène. Maëlys Corel. Et bah, une fois que Margot commence à chanter, il y a une première personne, donc la numéro 1, qui vient dans sa bulle. Une fois qu'elle est en place, numéro 2 peut venir tranquillement dans sa bulle. Attendez que la personne arrive vraiment dans sa bulle et s'installe pour arriver à votre tour. Ça marche. Dans votre montage, là, tu vois, comme t'es la bras croisée, tu vois, c'est pas mal. Là, je veux dire que mon frère, là, t'es rigolé. Eh, hey, dis donc, t'as perdu ta virginité ou quoi? Attends, attends. T'as perdu ton email?
fois, j'ai envie de péter un câble, de tout foutre en l'air. C'est pas possible, à chaque fois. Merde quoi. À chaque fois, tout nous tombe sur le nez. C'est pas possible. Ah bah non, t'es toujours aussi moche en fait. C'était pour faire une transition en mode youtubeuse beauté, les situations parce que toujours plus et plus égale plus. Tout doux le loup. Ne me demandez pas pourquoi je suis légale. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. C'est après qu'il faut faire la connasse. Allez. Arrêtez En plus il a un masque lui Bon bah c'est bon. Il est déjà mort, il est prêt pour la scène finale. Qu'est-ce que t'as toi? Il est mouru. On ne m'a pas demandé, tu m'as dit est-ce que c'est l'achat 2004? Ah oui, madame a sauté une classe. Attention. Mais celle-ci n'est pas très intelligente. Arrêtez. Mais pour qui se prend-elle? Mouru. Avec ses 8 de moyenne, elle se permet de tout faire. Pas de moyenne. Mais quelle horreur! Princesse! Princesse! Virez donc moi cette jeune femme! Je vous en supplie! C'est trop pour mes yeux et mon odorat! Seigneur! Dégagez-moi cette femme! Priez pour que le spectacle se fasse demain! Que le confinement soit terminé! Que j'aille voir un steak ce mois d'avril! Que j'aille voir un Indochine le 19 juin et le 3 juillet! Que le concert de Mélis se fasse l'année prochaine. Priez pour que Margot soit en échec scolaire. Priez pour qu'elle et Nathalie soient pendues par le chef. Tout le monde y veut seulement. Et seulement ça. Et il veut seulement la fête. Embrouille à la villa. Racontez-en moi plus. Mais n'importe quoi, j'ai dit que... Elle a dit mon groupe, hein. Elle a dit mon groupe quand même. Après, je dis ça. C'est qui a gagné le groupe? C'est nous. Et le problème, c'est qui a voulu lui donner un nom après la représentation de Marc? C'est moi. C'est nous. C'est moi. J'ai dit, il faut trouver un nom. On la trouve tous ensemble. C'est qui le président de l'association? C'était moi. Pour l'instant, c'est moi. C'est encore toi. C'est moi. Encore toi. Sur les papiers, c'est marqué la présidente, madame De Poli. C'est qui le trésorier? C'est toi. Donc c'est qui a le rôle le plus important? C'est qui se démène pour trouver des sponsors? C'est moi. C'est qui bosse comme une malade pour t'aider? Personne.
Heureusement qu'il fait semblant. C'est qui Ouais. Il y a que de l'amour en fait. Là, j'allais partir sur d'autres sujets, mais franchement, je peux pas le dire. Viens dire mon nom, allez. Et toi hein Moi, je pourrais dire des choses aussi. C'est moi. Je crois qu'il a un peu trop bu pour le coup. Now from the top, make it drop, that's some way. Now get it, fuck it, in it, mouth, that's some way. I'm talking walk, that's some way. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée des révélations. Je vais vous raconter notre histoire. Allez. L'histoire de la scène. Mais vraiment, même moi j'ai compris. Mais... J'ai côtoyé du renard, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables, les aînés des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que vives sur la piste. De danse, j'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'avance. Il a fait de trop. Tu sais, ce soir j'ai vu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai glissé ma langue dans des bouches animeuses, dans de tout petits angles où l'on voit qu'on est vieux. Là, je suis rentré belle et bien loin. Avec cette heure déjà vue et l'envie de surplus, j'ai rien trouvé de précis, excité d'apparence. Exactement, même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait des fêtes, des sages, scopes, la scope. C'est la fête de trop. Regarde, je vis une palette, je me réduis au chaos. Danse. Moi j'aime bien l'idée qu'il y en a un qui est ivre mort, celui à qui on va dessiner des bites sur le front, enfin voilà.